Salut, bonjour! Ah, je m'entraîne, mais je arrive pas. Enfin, J'ai l'impression que je arrive pas, mais quand je le regarde sans les lunettes, ça fait l'effet. Mais de quoi il nous parle? Et bien voilà de quoi je vous parle. C'est que je suis en train de me taper une vidéo qui dure 7h28 de conférences multiples à propos des Anunnaki sur Alatra TV. De... Il y a quelques morceaux qu'on a déjà vus, et d'ailleurs je vais vous les remettre. Je vais vous les remettre parce que, quand même, ça fait longtemps. Donc, on le met en vitesse normale, peut-être, hein, parce qu'évidemment, hum, hum, déjà que ça saute avec euh, ma manière d'enregistrer. Est-ce euh, que je vais y arriver Ah, je vais y arriver. Voilà, merci. Et j'ai intitulé ça Quelques clins d'yeux de Zana Lanounaki. Pour se rappeler, quoi. Oui, ça va durer 3 minutes 50. Euh, puis je, je, je le fais juste pour euh, Pérou, une planète, pour, pour un, un transfert, transfert de... De... de la planète le, le codage planète de vidéo présente également le moment du transfert des connaissances des extraterrestres et terriens. Sur le cylindre sumérien, VA 243, est représentée une carte du ciel étoilé. Elle répertorie les... En planètes fait, euh, euh, le morceau là... Extraterrestres là extraterrestres je le connaissais pas. Enfin, je ne suis pas sûr que je le connaisse. Et si je l'ai euh, enregistré en photo, comme document de référence ou, ou quoi, ben, euh, je l'ai fait sans savoir ce que c'était, quoi. Comme plein d'autres choses, évidemment, quand on y pense. Ah si, je t'avais expliqué toutes les, les photos d'artefacts et autres que je archéologiques et autres que j'ai. Ben... <laughs> oui. ouais Oui. Je pense que le monde serait différent. Hein Absolument. Dans le cylindre sumérien, VA 243, on va présenter une carte du ciel étoilé. Elle répertorie les planètes récemment découvertes. Ainsi. Alors, euh, oui, 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 oui. Parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 et 12. Ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est possible. Hein Peut-être que celle-là, c'est Makemake, je ne sais pas. Eris, Makemake, allez savoir. Et donc, toujours euh, est-il que là, il y en a une en plus. Ouais. Donc, on peut y aller, hein, planète 10, c'est-à-dire planète X qui est en fait 10, tout ça parce qu'ils ont viré Pluton. Donc, euh, il fallait virer Pluton, euh, ce n'est plus une planète. Non, mais c'est des humains de la NASA avec tout ce qu'on peut leur reprocher comme ah, approximaxi, approximation intellectuelle, euh, scientifique. Euh, photographiques, <laughs> lunaires, euh, etc., etc., qui, qui, qui se permettent d'enlever, de déclassifier, comme on pourrait dire, une planète. Ah bon mais, mais... Et puis alors, le glandu qui en fait la publicité parmi l'équipe de la NASA, c'est vraiment une des plus belles tâches. Euh, c'est du public relation, je veux dire par là, quoi. C'est un guignol, c'est vraiment un guignol, quoi. C'est le gars qui vulgarise les conneries que la, la NASA nous raconte, mais dans les émissions pour les enfants, vous voyez. Non, non, il n'est pas habillé en drag queen, mais presque. Non, c'est vraiment du foot de gueule à mon avis. Quoi. Et on prend lui pour, comme image pour déclassifier Pluton. Puis après, on lance euh, la planète 10. Et puis après, il y avait Nibiru en plus. Euh. Donc, planète 10, planète X. Il y avait Nibiru. Puis alors, euh, donc, du coup, on en est à combien et en fait, euh, pff, on n'en a rien à fiche. Leur définition de ce que c'est qu'une planète, ça ressemble aujourd'hui à leur définition de ce que c'est qu'une pandémie. Quoi. Quand ça les arrange euh, 200 000 morts, euh, quand ça les arrange euh, 3 morts, ouais, 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 pandémie mondiale. C'est n'importe quoi, quoi. C'est n'importe quoi. Moi, je n'ai je plus aucun respect pour ces scientifiques, euh, c'est tout bib. Euh, euh, et puis même... les. Les politiques, là non, Mais attendez. Euh, J'ai même pas envie d'aller battre la casserole, moi. Déjà, ça me rappelle un peu trop l'alpage, ça me rend nostalgique. Alors, quand vous battez les casseroles, il faut vraiment le faire, si vous voulez que ça marque, avec une intention d'organisation euh, euh, politique, quelque part, mais donc euh, un, un, un soutien intellectuel. Euh, des revendications euh, voilà, euh, valables, on va dire, pas valables, c'est pas le mot, compréhensibles. Il faut absolument pondre un rythme qui corresponde à quelque chose. Parce que quand tout le monde tape sur sa casserole, là, ça vous rappelle un troupeau. Et je suis désolé, je sais bien que ça fait du bruit et qu'on n'entend plus rien. C'est un peu le but du jeu. D'un autre côté, c'est un troupeau qui fait du bruit. C'est pas un groupe d'humains. Intellectuellement organisés, euh, qui sont en, en, en position de force euh, psychologique, parce que philosophiquement par, parlant, leurs revendications sont logiques et euh, évidentes. Vous voyez Pour moi, hein, c'est moi qui. Euh, puis en plus, je n'y suis même pas. Mais non, je vous dirais, je n'y ai pas. Je n'ai pas, ben pas aucun respect pour ces gens-là. Et ils m'énervent. Je dois même dire que j'évite de les regarder parce qu'ils m'énervent. Il m'énerve à un point où je suis en train de me dire, oula mon gars, tu perds tes vibrations là. Tu tombes dans les vibes. <laughs> t'as la vibe of... <laughs> qui est molle là. <laughs> oh là, là. Donc, euh, bon. <laughs> Heureusement que j'y déconne de temps en temps. Ouais, t'as ouais. raison. Alors, j'ai mon secrétaire principal qui me reprend. Il me dit non, mais alors est-ce que ce ne serait pas l'air de la bouffe <laughs> Non, 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 non t'es trop lourd, mon vieux, t'es trop lourd. Ouf. Alors on reprend. Parce que, bon, ça s'appelle quand même qu'un dieu de Zana. de la mystérieuse planète Wamphil. À notre époque, du Wamphil a parlé la célèbre voyante du Venga. Elle a dit que la Terre est visitée par des vaisseaux extraterrestres Et nous appelons aussi préventivement sous volant en provenance de la planète qui, dans la langue de ses habitants, s'appelle Wamphil. Voilà. Donc, nous, ce qu'on appelait Nibiru, c'est autre chose. Nibiru, c'est un, un vaisseau mère qui sert de transport. Enfin, D'après ce que je comprends d'eux. nous dernièrement, ce qu'on disait, c'est que Nibiru était même quasiment une planète construite effectivement, mais de nanotechnologie quasiment. <laughs> mais on disait aussi que c'était plutôt en éthérique. En fait, on a dit assez de trucs pour que moi j'arrête d'attendre la voir dans, notre, dans nos cieux, d'une part, et en plus que que j'arrête D'attendre de voir des effets de sa présence. Vous voyez Elle est censée être déjà tellement grosse qu'à peine elle arrive dans le système solaire, tout est chamboulé normalement. Vous savez Dans un équilibre électrique, quand vous rajoutez une, un élément avec une valence électrique, vous, vous transformez tout l'équilibre qui était établi entre les différents pôles. <coughs> enfin, on appelle pôle entre les différents éléments du, du système bipolaire en général chacun des éléments pas hein. ah, le système bipolaire <laughs> comment, comment ça va ben <laughs> je me soigne <laughs> c'est bipolaire ouais. <laughs> Positif, négatif. D'ailleurs, imaginez aujourd'hui, il y a des gens qui s'inventent tripolaire, quadripolaire ou, ou pas de polaire. Comment on dit pas de né, néant polaire Le zéro, ça existe verbalement, enfin en vocabulaire, chez les Grecs. Bon, ce n'est pas le sujet, on reprend. Vous ne pouvez pas le voir. Et en ce moment, dans le ciel, il y a beaucoup d'appareils volants et Dans chaque appareil, je vois plusieurs J'entends les paroles. Un grand événement se prépare. Quel événement Ils ne l'expliquent pas. Ils disent qu'ils veulent nous aider. Ils sont tous des guérisseurs. Qui... Oui, bah, bah, écoutez, vous voyez, moi je, je précise bien euh, que c'est euh, la vue selon, selon des Anunnaki ou des partisans d'Anunnaki, d'Alatra TV qu'on développe en Ala et Ra. Alors, euh, eux, leur modo, enfin leur modo, leur, non, pas leur modo, oui, si, enfin leur but, c'est la réunification à une société qu'ils appellent créative de toute l'humanité avec les Alunaki, comme c'était déjà le cas avant, puisque ils admettent d'une certaine manière. Qui sont venus ici pour nous protéger d'autres espèces de gris et autres. Enfin, ce que nous, on va appeler, euh, je ne veux pas trop me tromper, mais je dirais le domaine où l'Ancien Empire, si, si les Anunnaki font partie du domaine, l'Ancien Empire, mais les Anunnaki font partie du domaine de la même manière que euh, les Abraxas sont liés et. De mèche avec les dracos, les gris, les mantis, dans leur politique, dans leur attitude sur Terre. Et ce n'est pas une attitude positive pour nous. On est sur une prison planète, on est prisonniers ils nous maintiennent en cycle même, en passant de, du physique au non-physique, de la vie à la mort, si on peut dire. Enfin, de la vie à la non vie physique euh, voilà euh, de la vie entre deux corps pendant ce temps là le Pam qui vous parle là, sa conscience là elle c'est toujours la même qu'un dument quoi peut-être qu'elle évolue un peu hein <laughs> j'espère <laughs> J'espère quand même, hein, bon, parce que c'est amusant d'être ballot le matin, mais bon. Ça manque de sérieux, justement. Un peu, quand même, non. Mais bon, vu ce qu'on fout ici, finalement, au final de chez final, je ne sais pas si prendre tout un peu à la légère, je sais pas ce qu'il y a de mieux à faire, finalement. C'est un tel foutage de gueule douloureux, pénible, gravissime et tout en plus. C'est ça qui est, qui est terrible. C'est qu'on arrive à rentrer dans, des, dans la conception de ce qu'on est en train de vivre avec ces tragédies. C'est de la tragédie totale. C'est Ça ça, met, ça fait jouer des, des concepts piliers de, de toute civilisation, je dirais. Une notion de conscience, de respect, de... Tout quoi, je, je sais pas. tous les attributs de la vie hein, qui sont étudiés en académie ou pas, enfin en tout cas, qui bâtissent notre humanité, nos sociétés, nos civilisations, tout ça là c'est quand même super important, puis d'un autre côté quand vous regardez la réalité des choses, où on, tout ça ça existe dans le cadre de... c'est pour nous occuper pendant qu'on est en tôle, quoi. Oh, c'est ce qu'on a pu tirer comme étude de la manière dont on s'occupe, dont on occupe notre, notre temps libre. <laughs> temps libre. Il y a au moins le temps qui est libre <laughs> euh, durant nos, nos, nos existences. Et, et foutage de gueule parce que quoi qu'on ait fait là, c'est effacé et on, on est reparti pour un tour à la prochaine Grâce, voilà pourquoi le problème, parce que ça c'est grâce aux au gris, euh, mantis, euh, reptos, et donc sûrement aussi à Braxas et à Anunnaki, ou pas à Anunnaki, et eh bien là c'est ma question, mais bon, un de ces quatre on va m'y répondre, euh, qui donc participerait à, à cet esclavage humain, quoi. Hein chacun à son poste, chacun en tirant plus ou moins de louche pour en faire plus ou moins de choses, <laughs> chacun d'entre chacun eux, hein les méchants, les différents grades de méchants. Chacun est, euh, avec son poste dans leur, leur hiérarchie, qui est une hiérarchie pyramidale de tarés où tu fais ce qu'on te dit et <laughs> compte pas sur un, un, avoir de l'avancement. Non, c'est plutôt... <laughs> Pardon. Ça rappellera plutôt le système de caste hindou. Oh, en fait, la différence entre ce qu'il y a dans les, les Védas russes, avant qu'ils deviennent Védas hindous, il y a des milliers d'années, le changement de vérité qu'on trouve dans ces deux textes, de cette version du texte, ou de l'histoire, de on va dire, elle est due justement à l'interposition de ces parasites qui transforment le texte et transforment les valeurs des, des choses qui sont euh, exprimées. Vous voyez? En fait, dans la version russe, on décrivait une situation avant l'invasion. Et on remet en cause cette invasion et on, essaye, on, déter, on, dé, on détermine même qui c'est. Hein. Oui, oui, oui. Il y a bien longtemps qu'ils ont pigé d'où venait le problème. Hein. Si vous pouvez imaginer un petit pays aujourd'hui à l'est de la Méditerranée, d'où où on estime que tous les problèmes viennent, ce qui est faux parce qu'en fait les, les crypto-casars n'ont que peu de rapport avec cette région du monde mais bon euh, si on reprend le reine moret euh, ils ont quand même la même politique que les anciens iraniens Et les anciens iraniens, pas eux, par contre, ils sont dans la région par rapport à la bohème. Bon, toi, tu arrêtes maintenant hein, parce que moi, je travaille et toi, tu travailles du chapeau. D'ailleurs, on va faire comme ça. Et je vais avoir la paix. Ils guérir de nombreuses Ils sont Je m'excuse, hein, je gère un petit peu la ménagerie aussi. Ils sont toujours en train de nous observer. Bon, on n'a pas écouté ce qu'elle disait. Ils sont toujours en train de nous observer. Ils ressemblent à notre image dans l'eau. C'est ça, quoi. C'est pas mal comme euh, illustration. Donc ça, même si vous n'en avez pas vu, vous savez par contre à quoi ressemble votre image dans l'eau. La structure, quoi, par rapport au reste du décor. Et vous pouvez voir à travers l'eau. Et voir le fond de l'eau, normalement. Hein Imaginez. Mais néanmoins, vous avez le reflet dessus. Vous voyez cette idée-là Pour percevoir comment est-ce qu'on peut voir dans l'éther ceux qui voient l'éthérique. Voilà, ils, ils, ils voient, comment on pourra dire, dans cette direction, dans, de cette façon-là. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Bon, allez, on reprend. J'aime. Les gens demandent est-ce vrai que les Anunnaki peuvent voir tous les habitants de la planète en temps réel oui, c'est vrai. Donc, Jeanne, elle a un compte TikTok. Rappelez-vous, le domaine, il a abandonné depuis 2004 les États-Unis, le MJ12, tout ça. Et il est passé euh, du côté de l'Est, du côté de l'Asie. Et hop, euh, TikTok, c'est quand même un truc chinois. quoi. Hein et elle, elle a un compte TikTok. Depuis longtemps, hein, euh, déjà à l'époque où j'en ai parlé dans. Ah, dans mes vidéos sur ma chaîne, ça me gêne. Ça me gêne de mettre tous ces possessifs là. C'est pour ça que je cherche mes mots. Dans les vidéos sur la chaîne, pas de tiers. ouais, à la limite, c'est pas moi ça. Ouais, c'est pas moi. J'ai rien inventé là-dedans. J'ai juste traduit moi. J vous voyez, c'est pas mes créations. Si je vous fais une, voilà, ma vidéo de mes toiles, ça, ça va être différent. Mes toiles de peinture. Mais euh, là, les vidéos que je vous pose. Voilà, c'est moi qui les parle, on va dire, mais c'est pas moi qui les ai qui a... qui trouvé le matériel. Et je pense que c'est quand même un peu important de remettre ça de temps en temps en place. On n'est rien du tout, quoi. Enfin, moi, je suis rien du tout, quoi. Non, je dis ça pour les services. Hein. Ne, ne vous arrêtez pas chez moi, hein, ce n'est pas la peine. <rire> <rire> Depuis que j'ai appris que dès qu'on a un blog, on est considéré comme espion par les services spécialisés de tous les pays, en général. On est considéré comme espion, on est toujours à risque de dévoiler des secrets d'état, quoi. En fait, alors je sais pas, mais nous on dévoile essentiellement et peut-être à l'excès des secrets d'état étrangers, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de problème, je sais pas, mais c'est complètement dingue. Mais c'est évident que c'est l'armée, l'armée qui en fait est là comme un bras. Exécutif, euh, euh, des geôliers qui maintiennent sur Terre une situation de, plein de prison. Hein je, je, je fais une phrase complète là, pour remettre les, les éléments en place. L'armée va se servir de ses services spécialisés pour le renseignement, pour euh, exercer et réaliser la, sa raison d'être, le contrôle colonisation si elle peut mais le contrôle c'est une force de police contre un état d'à côté l'armée hein. c'est juste une police supérieure avec des forces des moyens supérieurs bon. la police étant pour le contrôle au sein de la nation et l'armée c'est pour le contrôle ou la défense soi-disant ou l'attaque d'ailleurs souvent d'une nation d'à côté, donc c'est un niveau de police supérieur au niveau continental. Voilà. Bien, on pourrait d'ailleurs imaginer une armée encore supérieure qui gère les relations intercontinentales. Hein et finalement, une armée générale, euh, si on peut dire, une armée mondiale qui gérerait les affaires de la, entre la Terre et, par exemple, les Alunakis, les Gris, les, ou les Luniens, les Sélènes, on va dire, euh, les Martiens. Euh, Vénusien ou qui Voilà. Bon. C'est intéressant, juste comme ça, pour la structure en fractale. Les jeunes en acquis peuvent en effet voir tous les êtres intelligents, et non seulement sur votre planète. Alors là, sur Terre, vous voyez, ils ne voyaient pas grand monde. <rire> <rire> C'est pour ça, en fait, quand ils arrivent sur Terre, ils disent il n'y a pas un chat ici. Ils ne que les êtres intelligents. <rire> bon, <laughs> j'ai compris. <laughs> Mais dans tout l'univers, où qu'il se trouve, pourriez-vous dire combien de temps faut-il à un vaisseau spatial donc, tout ça, c'est des extraits de sa, sa chaîne TikTok. Moi, à l'époque où j'espérais je, 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 que j'allais pouvoir l'interviewer pendant quelques minutes et lui poser toutes ces questions, euh, genre il est où ton vaisseau Vous êtes combien Tu as des copines <laughs> C'est quoi ton 06 <laughs> Eh ben, euh, il y avait déjà plein, plein de jeunes qui posait des questions dans tous les sens. Et on a là Zana qui, qui pose et qui répond à des petites questions. Mais c'est très, très structuré tout ça, mine de rien. Hein. C'est une divulgation contrôlée de la part à la TRA TV ou des Alunnakis ou donc d'une partie. <laughs> Évidemment d'une partie du complexe militaire ou industriel de la Breakaway Society. Breakaway Society, dont je me demande, malgré le fait qu'ils aient parlé du 9e cercle et tout ça. Hein. Et ils en ont parlé avec euh, défiance, hein, en disant, ça ne va pas se passer comme ça. Mais bon, mais quelque part, nous, là, on avait fini par déterminer que Enki, euh, Enlil euh, et, et, et tous les autres, ils avaient en tout cas à chaque fois une face infernale. Ça dépend... Euh, ça dépend si c'est un journaliste qui, qui fait un article sur eux ou si c'est leur propre public relation qui fait un article en, en leur éloge, quelque part. Ouais, une version de l'histoire où le vainqueur euh, l'écrit et une autre où c'est plutôt l'agressé ou le vaincu qui l'écrit, vous voyez. Mais bon, c'est réaliste. Euh. Osiris était, était Dieu de, des morts et des enfers, me semble-t-il. Non après, Alors après, ils sont un paquet, ils sont un gros paquet, mais bon, très souvent, on, on a des noms pour ces dieux qui sont en fait que le nom de leur titre, de leur grade dans la profession, dans le rôle qu'ils jouent. Genre, Satanas, c'est euh, le... Euh, on a appelé ça le jardinier d'Éden, mais... du jardin d'Éden, mais euh, c'est un organisateur. Euh, contra-mettre. Voilà. Satanas contre-maître. Bon, c'est pas le sujet. Par, mais là, à une époque, on disait les Maria, les maris, Marie, Marie c'était euh, grande prêtresse, tritesse euh, et sage-femme euh, haut de gamme, etc. Enfin, voilà, ça, c'est une version des Védarus. Mais bon, ce n'est pas le sujet reprenant. Pour venir de à la Terre, c'est quasiment instantané. Donc là, la question, c'était combien de temps vous mettez C'est instantané. À part, à part que c'est l'atmosphère terrestre qui est le plus difficile à pénétrer, finalement. Enfin, le, le plus coûteux en énergie. C'est juste que la plus grande partie du temps est dépensée dans l'atmosphère voilà. terrestre parce qu'elle est très dense et que pour la traverser, il faut faire des efforts. Il faut un peu de temps. Et en même temps, il faut. Vous voyez, moi aussi, là, j'essayais de cligner les yeux et je n'y arrive pas bien. C'est-à-dire que comme j'ai besoin de mes lunettes pour voir ce que ça donne, <laughs> et si je le fais avec les lunettes, on ne le voit pas, il faut que j'enlève les lunettes. Et quand je le fais, du coup, je ne suis, suis pas assez rapide pour remettre les lunettes pour le voir. <laughs> Par contre, des fois, il y a un décalage. Vous pouvez presque le faire. Je suis en train de rivaliser avec Lucky Luke, quoi, je veux dire, là. Hein je vous rappelle euh, qu'il tire plus vite que son ombre. C'était pas l'heure pour dire ça. Reprenons. Peut-être aussi invisible. Parfois invisible. Du contenu sur la terre. Quand j'y arrive, je marche sur le sol personnel de toiles comme si je les piégeais. Ce qui m'émane se déplace très vite sur leur terre, tout est incroyablement beau et il n'y a pas de mots. Donc ça c'est des textes que je connais pas à propos de Baba Wanga. Euh, qui était une prédictrice, une, une prophétesse. Enfin, C'est une jeune bergère qui s'est pris un coup de foudre, qui en a perdu la vue, mais qui a gagné euh, l'extra lucidité et qui, de nombreuses années durant, a transmis des informations à tous les grands de ce monde, hein, mine de rien. Ben, toutes les pointures, là, avant Poutine, euh, ils ont été consultés Baba Vanga pour savoir à propos de leur avenir. Et quand même, moi, je trouve que que oui. Alors, l'astrologie, <laughs> euh, les zététiciens là, ils m'expliquent un truc. Ils touchent des tunes de la part d'un État qui est dirigé par quelqu'un qui a des pratiques finalement de consultation d'astrologue, dont finalement ces éthétiens vont se foutre, vont se moquer, vont qu'ils vont, qu vont dénigrer. Non, mais attends. Bon, je rappelle un truc, hein. comme ils ont touché de la, de la thune de la part de Gavi, Gilead et autres aussi, donc de Bill Gates, je, je pense là qu'on qu pourrait leur régler leur compte politique, politiquement, rapidement. C'est <laughs> des bozos, quoi. même pas même pas respect à bozos, s'il vous plaît. Reprenons. Pour écrire la beauté de leur nature. Aux mesures de la Terre, une journée sur 20 films dure 5 heures. Et la force gravitationnelle est 37% moins que sur Terre. D'ailleurs, cela correspond exactement à ce qu'il y avait chez vous sur Terre il y a seulement quelques millions d'années. Alors là, c'est très étonnant puisque les représentations des Anunnaki qu'on trouve en Sumérie, en Sumérie c'est gay la Sumérie, euh, nous montrent des balaises, mais de chez balaises, mais les gars, ils sont, ils sont musculeux, ils, ils ont une ossature, enfin, c'est des balaises, hein. Ils sont tankés, ce n'est pas des, fonds, des fins longs longilignes, hein. c'est des balèzes musculeux, c'est des hulks, les gars, presque, presque, presque. Alors que leur euh, atmosphère, leur gravité est, est aux deux tiers de la nôtre. Pardon. Je sais pas, ce n'est pas logique. Ils devraient arriver ici et être écrasés. Alors ils arrivent ici et ils chopent deux lions à la fois pour les terrasser. Donc bon, je comprends pas, mais c'est pas grave. Jeanne, dites s'il vous plaît, y a-t-il hiver sur 20 films Bien sûr que non. Nous avons un climat très agréable et stable sur toute la planète. Alors vous voyez. Nous, sur Terre, on a fini par nous faire comprendre, d'ailleurs, que c'était très bien d'avoir des climats comme ça. En tout cas, nous, en Europe, ben, on n'est pas mécontents. On, évidemment qu'on préférait bien gérer, euh, on préférait qu'au bout de temps d'années de civilisation, on ne soit pas débordé par deux jours de neige sur une autoroute ou un aéroport. Hein, c'est nouveau ça, hein, quand même, dans les années 80, il n'y avait pas ce problème. Mais là, maintenant, c'est revenu. Bon, ben, bravo. bravo. Je vais laisser. Laissez-moi rire un peu le matin. Et puis, euh, mais sinon, c'est très agréable de pouvoir jouir de toutes. Ça fait un cycle dans lequel on, on se nettoie aussi, normalement. Il y a, il y a cette différence d'alimentation euh, au cours de l'année, dont, dont chaque fois les aliments préparent la saison à venir, d'une part, et d'autre part. Font varier le corps, ce qui lui permet de mieux récupérer. Ce qui gêne dans la toxicité technologique actuelle, c'est que les attaques sont toujours les mêmes, au même niveau, et là, le corps n'arrive pas à s'en remettre. Tandis que s'il y avait une légère fluctuation, le corps arrive à s'en remettre beaucoup mieux de cette attaque, de cette toxicité des ondes, par exemple. Donc voilà pourquoi je trouve un côté. Et puis voilà, euh... j'ai habité. Euh, dans des endroits où il n'y a quasiment que deux saisons, pas très longtemps, mais assez, assez euh, pour vous dire, mais vous en avez marre, vous en avez marre de quatre mois de pareil, euh, toujours la même chaleur euh, ou toujours le même froid, vous en avez marre. Je trouve que c'est pas mal euh, les quatre saisons. Ah, bon, voilà, chez eux, ils s'en passent allègrement, ils, ils vivent dans un salon euh, tempéré euh, toute l'année. Bah, je sais pas, je sais pas. Ils, à l'époque où la pluie était propre, c'était en été, c'était super agréable de prendre un orage, Je euh, Je sais pas, mais bon. Carvanfilm <laughs> est une planète artificielle. Et contrairement à la Terre, elle ne dépend pas d'une étoile. Nous n'avons pas de salé, mais nous avons un océan de douce. Tant des espèces de poissons exotiques qui vivent chez vous ont un eau salée. Chez nous, ils vivent soit dans les aquariums, soit dans les fermes spécialisées. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de zoo? Pour la connaissance, euh, bah, avec la technologie qu'ils ont, 3D, euh, voilà, sur telle planète il existe telle espèce. Et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de l'avoir à domicile Ou est-ce que finalement ils la bouffent et puis que c'est pas mauvais, euh, le poisson de mer aussi, quoi. Je sais pas, hein les encornets, un apéro, tout ça. Est-ce qu'il pleut parfois sur un film Bien sûr qu'il pleut, mais il pleut toujours selon l'état. Les... Je vous rappelle que pour moi, un état de, de... qu'on va appeler divin. C'est un état qui n'est est jamais parasite, qui est toujours créateur. Euh, S'il veut, il est neutre ou créateur. En tout cas, il ne va pas avoir besoin de l'extérieur pour vivre lui-même. Donc, euh, à ce moment-là, on est Senghazer-Pranaïste naturellement, quoi, hein, même sans y penser. Quoi. Et en plus, on, on a à disposition une technologie spirituelle qui permet d'être créateur, en passant peut-être par d'autres d'autres euh, dimensions ou densité ou... Oh, ok, ok, c'est niveau ésotérique, hein. bon... Euh, mais euh, là, je trouve... Euh... Bon, ben, bah, il ne s'estime pas Dieu, hein, ça c'est clair, mais c'est quand même le but, euh, c'est quand même le but. Enfin bon. J'entame une discussion des philosophique des un peu trop longue de là. Certaines de la Terre. Les Indonésiens ont-ils des écoles maternelles, des collèges, des universités Non, bien sûr qu'il n'y a pas d'école ni d'université. L'acquisition d'informations, de compétences est presque instantanée. Car pourquoi il passe le temps de temps Alors ça, ça comme, comme euh, réflexion, c'est digne de Macron. Ça, l'acquisition est, est quasi instantanée, car pourquoi il passait le temps de temps perdre tant de temps. Elle est instantanée. Pourquoi C'est pas la, la réponse. C'est pas. Et puis c'est mieux comme ça, finalement. Euh, comment ils font Télépathie Implant Comment ils font euh, Programmation génétique avant la même la naissance euh, Qu'est-ce qui se passe On est dans un système là où effectivement le fils est le résultat de l'union de deux personnes dont finalement il possède toute la mémoire incluse. Ça permettrait de, de comprendre pourquoi est-ce que quasiment instantanément il peut se rappeler ou savoir tout ce dont il a besoin de savoir. L'Anounaki, hein. il ou elle. Ah oui, parce qu'a priori il n'y a que deux <laughs> chez eux, oui, je crois bien. En tout cas, pour l'instant, je n'ai les ai pas encore entendu aborder le sujet de des trucs qui finalement sont, ont une polarité une, euh, non physique quoi, qui n'existe pas quoi. une situation polaire magnétique qui n'existe pas il y a quelqu'un qui a dit que c'est un délire oui c'est ça c'est un délire mental normalement ça se soignait mais bon moi je peux on peut pas leur en vouloir à mon avis puisque c'est l'effet voulu d'une politique secrète, implanté, implémentée, on va dire même implantée sur terre depuis assez longtemps de perturbations endocriniennes, de, et d'amener à la situation euh, le plus beau des mondes, où il y a plus de sexualité, où les enfants sont sortis des de, pour ceux qui ont les moyens. <laughs> oh, bon, les Honorés qui ont-ils un président, les députés, un gouvernement, un chef, un roi, est-il un responsable Bien sûr que non, le conseil du pouvoir Là, ça me fait plaisir. Vous voyez, c'est le niveau, on n'a pas besoin d'être dirigé par quelqu'un qui n'a pas, pas spécialement plus le niveau que vous. Quoi. On n'existe pas chez les Honorés. Voire même moins aujourd'hui. c'est une civilisation hautement développée. Tout le monde est égal. Tout le monde est responsable les uns des autres. Et nous avons depuis longtemps ce que vous appelez une société idéale. C'est vrai que ça, ça fait plaisir. Ça, ça c'est vrai que ça fait plaisir. Mais bon, il me semble aussi chez les Abraxas, ça pour eux, dans le film Jupiter Ascending, c'était assez idéal. Enfin bon, le, le Draco qui se fait torturer, il n'est pas tellement d'accord. Hein, mais ah ben, il a loupé sa mission, on le torture. Merde. Ah non, mais excusez-moi, mais. Euh... Société idéale, déjà tu fais faire par quelqu'un d'autre quelque chose que, à la limite, soit tu ne sais pas faire. Si tu ne sais pas le faire, qu'est-ce qui te donne le pouvoir d'obliger quelqu'un d'autre à le faire Tu es moins bon que lui, tu n'as pas le niveau, tu ne sais pas le faire ou tu ne peux plus le faire. Tu es trop vieux, tu ne peux plus le faire. D'ailleurs, hein, en plus, euh, sur la vieillesse, hein, vous, vous savez, hein, chez moi, je trouve pas normal que plus on vieillisse, moins ça va. Et euh, le système immunitaire, quand on est vieux, il est déprimé, alors qu'il a le plus d'expérience possible dans, de, de, tout au long de votre vie. Et à chaque fois, il garde son expérience, puisque normalement, euh, il s'améliore. Et à la fin, il n'est plus là. Il y a un problème. Et puis, comment ça se fait qu'on porte des lunettes de plus en plus jeunes aujourd'hui Bon, il y a les ondes là-dedans. Ça, c'est sûr qu'il y a les ondes et les toxiques. Oh, non te s'il vous plaît. Les savent-ils ce qu'est l'amour Bien sûr, ne vivons que par cela. Bien sûr, parce que nous ne vivons que par cela. Et ça, si c'est pas mis en scène avec la musique derrière, enfin en tout cas il y a un montage. mais oui, oui, je crois que ça a dû être fait presque en, c'est théâtralisé. Joue là, elle joue là. Ils ont dû refaire cette scène un certain nombre de fois, si ça se trouve, vous voyez. Pour qu'elle qu ait le temps de bien cligner lentement des yeux, d'avoir son, son soupir d'émotion. Bien sûr. Bon, ben bah écoutez, euh, à qui s'adressent ces vidéos À la jeune fille de 12 ans Aïe. <laughs> Oui, bon, d'accord, mais tout de même. <laughs> Et euh, toutes les jeunes filles de 12 ans, quand elles regardent euh, le prince, la princesse, se faire couronner ou autre, il n'y euh, a pas une version pour enfants de ce qu'elles sont en train de voir, c'est une version pour adultes. Je hein. enfin, bon, voilà, je sais pas. Si vous voulez apprendre à parler à vos enfants en, en leur euh, en parlant comme un, un débile, la babale. Euh, euh, la baballe euh, au euh, Vous n'allez pas l'éduquer à devenir un adulte. Vous lui apprenez à devenir un enfant. Non, mais ça, il sait faire déjà. Ça, ça il sait déjà faire, normalement. <laughs> <laughs> c'est d'ailleurs lui le chef. Pour apprendre à quelqu'un comment faire l'enfant, c'est un enfant. <laughs> enfin, bon, ce pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, mais là, vous avez compris que aïe, ça, moi, ça me pose des problèmes assez souvent. Mais euh, je ne critique pas les 100% de ce qu'on nous raconte. Par contre, il euh, y a plein de trucs qui ne vont pas. Quoi. Si, si, si on ne nous parle pas de la planète prison, si on n'en parle pas du vrai rôle, tout le reste, après, c'est de la propagande avant les élections. Quoi. Voilà, euh, rien ne changera, mais vous ne le savez pas encore. Par contre, il faut que vous votiez pour l'un d'entre nous qui va vous obliger à subir encore une existence où rien ne changera. Et pourtant, ça fait dix fois que vous votez, mais rien n'a jamais changé. Si, ça va empirer, en fait. Et vous continuez à voter. En croyant que c'est le moyen d'améliorer les choses. On pourrait voter pour des choses qui changent, mais il faut le faire sincèrement. Et la sincérité, là, voilà, c'est... C'est ce qui fait le, le soutien en, dans leur société, j'ai l'impression. Ils sont tous conscients et responsables les uns des autres. Voilà, musique à fond. Et de toute façon, je suis arrivé au bout. Donc, ça, ça venait d'Alatra TV. Et, euh, et voilà, quoi. C'est une fractale de ce qu'on vit sur la, la, la Terre. On a une situation dans laquelle il y a des gens qui recherchent des moyens d'améliorer les choses pour que cette situation s'améliore globalement. Ce qui peut durer des années et toujours, vous améliorer ici, vous perdez de l'ava, euh, et puis après ça change. Ça peut durer, ça peut durer, ça peut durer. De temps en temps, un reset, de temps en temps, un changement des pouvoirs. Enfin, tous ceux qui commencent à avoir du pouvoir, vous les virez. Vous n'avez pas vu le film, le dernier duel le ponte local, qui était une pointure pistolet, il organise des duels entre les meilleurs tireurs de tout l'Ouest et à la fin, il n'en reste qu'un dont il tâche de se débarrasser ou de se mettre dans la poche, ce qui fait qu'il est assuré de rester le meilleur pistolero puisqu'il a fait se fringuer entre eux tous les autres. On est dans cette situation-là. Là. Même avec cette série, quoi. Parce qu'il bon, y a de la philosophie derrière la tra TV, il y a des yogas avec des pouvoirs, hein, si vous voulez, des cd et tout ça. Vous pouvez vous attendre à en acquérir, même s'il si n'est toujours pas conseillé de s'en servir. En tout cas, pas à but égoïste. Euh, <laughs> de l'autre côté, ils ne s'en servent pas non plus à but altruiste. Sinon, d'une manière évidente, il y a quelqu'un à distance qui aurait pris des grosses claques dedans sa gueule. Excusez mon langage, mais c'est à peu près ce qu'il mérite. Non, des coups de Satan, aussi. Et en Ankar, de chez Ankar, je suis tombé là sur la divulgation euh, d'un texte, d'un PDF qui décrit toutes les tortures exercées par la CIA et, et le FBI, euh, que ce soit à Guantanamo, mais à Abu, à Abu Ghraib et ailleurs aussi, quoi. Et les autres prisons secrètes de la CIA et, et des autres compagnies privées militaires secrètes, pas forcément qu'américaines d'ailleurs, elles sont internationales, dont ils disposent donc dans des pays comme l'Égypte ou la Pologne ou l'Ukraine ou peut-être bien même euh, en France, hein, allez savoir. Alors, vous avez une base militaire secrète profondément enfouie, vous y pénétrez avec un ovni indétectable sans, sans vous arrêter à l'entrée, <laughs> euh, moi, je dis, euh, où qu'ils veulent, il y en a. Hein. Voilà, et dans lesquels, ben, ils vous torturent, mais ils vous torturent de la manière la plus brutale et primitive possible. Efficace néanmoins, a priori, mais... Euh, pas efficace, insupportable. Mais c'est outrancier. Euh, alors évidemment, je ne dis pas que nos services spéciaux n'ont pas un petit peu les mêmes attitudes, notamment s'ils sont impliqués avec l'OTAN, par exemple. Mais bon, je vous rappelle, les nations, ça n'existe que pour le public. Hein le public le plus naïf possible. Tous les autres, ils sont internationaux, ils ont un pied à gauche, un pied à droite, ils, ils changent de nom. s'en foutent de ça. Ça, c'est la décoration extérieure qui veut rien dire du tout. Je me rappelle quand je faisais du judo, les grosses pointures, ceinture noire, ils ne mettaient même pas lu la ceinture noire. Ils mettaient une ceinture jaune, une verte. Ils mettaient une petite ne même plus, ils ab il abordaient plus tous les Dan et tout ça. Là. Il avait ceinture blanche. Par contre, vous aviez vite compris que <laughs> il faut pas préjuger. <laughs> Je vais me le faire, le petit ceinture blanche. Mais <laughs> mon vieux, ton équilibre. Ah, mais c'est. Oui, oui, en fait, c'est lui le chef. <laughs> c'est lui le boss du dojo. Ah, pardon. <laughs> enfin, voilà. Bon, C'était une petite vidéo comme ça pour rigoler le matin en parlant de choses qui vont revenir sur le, le, le devant de la scène de manière assurée. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça va commencer. Il va y avoir plein de divulgations d'État. Ah, les ovnis, ça va commencer par les tic-tac, et puis ils vont admettre avoir ces technologies quand même. Puis... Et on va disposer bientôt de bien plus de problèmes pour résister à l'envahisseur, à l'oppresseur, parce que eux vont dévoiler les technologies antigravité, manipulation des masses à distance, génération d'une fréquence qui vous démolit. Vous pouvez plus approcher d'un émetteur, comme dans le film Russell où il y a un jeune qui part en week-end en vaisseau spatial et puis il se crache sur une planète et puis il tombe sur une situation qui est en fait une image de la nôtre. Et lui, là sur place, il dispose de pouvoir par rapport à la population locale. Il est, il est un peu plus fort, quoi. il est plus costaud. Plus rapide, plus costaud. Et puis euh, il y en a d'autres qui tiennent le, le, ce monde-là, qui sont aussi plus rapides, plus costaud. Puis il se fait coincer, puis on lui dit, mais oh, rappelle-toi, tu, tu es comme nous, toi. Tu vois pas que tu es comme nous, tu vas aussi vite, tu es aussi costaud. Viens de notre côté. Qu'est-ce que tu es en train de casser là On se régale, nous, ici. Voilà, c'est peut-être l'image aussi de cette nouvelle génération euh, des 13 familles, des 13 lignées ou, ou autres, qui n'est plus tellement en, en accord avec la politique que menaient leurs aïeux, justement, d'extorsion d'énergie de la part de l'humanité. C'est peut-être ça aussi qui est, qui est impliqué comme idée dans ce film. Bon, à la fin, je vous rassure, ils font péter les relais. Hein. Alors, ils en chient, il y a des morts, mais ils font péter les relais. C'est le seul moyen. C'est de tout faire péter, euh, leurs moyens technologiques. <laughs> Parce qu'on ne pourra jamais espérer atteindre le niveau de développement si nécessaire, justement, à notre évolution et notre liberté dans le cadre actuel de contrôle et de méconnaissance de notre situation de prison planète ainsi que donc l'accès à la vision et à la compréhension des autres sphères, hein, si on peut dire sphères dimensions, densité, vous appelez ça comme vous voulez ce qui est déjà intéressant c'est de se rendre compte que ça existe et qu'il y a une évolution possible dedans, vous faites vos exercices mentaux si on peut dire c'est soit ce quoi s'amusent les enfants quand ils s'ennuient d'habitude c'est ça qu'ils développent mentalement. Ils font, des petits, ils font des petits jeux mentaux. Et, et ils s'intéressent à ça, à ces moyens d'obtenir une mémoire de plus en plus parfaite, d'avoir la prescience, d'avoir l'extra-lucidité, la médiumité, l'intuition, le, le bon feeling, le, le, choix, le choix, le bon choix. Il y en a un à faire. Ce que développait le docteur Richard Alan Miller lorsqu'il a bâti le premier bataillon terrestre de super soldats quelque part. Voir le film le, le, The Man Who Stared at Goats, l'homme qui, qui parlait aux chèvres, je crois, je ne sais plus comment on dit, qui murmurait aux chèvres. Enfin bon. Richard, Richard Alan Miller, c'est la source, plus ou moins. Et en tout cas, c'est un auteur et un chercheur prolixe dans de multiples domaines, dont l'ésotérisme associé. Et ça, ah, ça, c'est la voie de la compréhension. C'est le, le généralisme, c'est la des soutiens de, de la thèse par des biais multiples. Bon, bonjour. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, mais enfin bon, voilà, c'était un petit, un petit quart d'heure. Un. un clin d'œil. <laughs> c'était un clin d'œil philanthropique sur la situation terrestre. Qu'est-ce que je peux vous dire maintenant ben, Bon courage pour passer entre les gouttes, les aiguilles. On fait usage de discernement de critique, de discernement. On prend de ce qu'il y a de bon à prendre et puis on tâche de rester nous-mêmes aux commandes de notre destin et de pas retomber, hein, parce que je vous rappelle, là, ils ne nous parlent pas du fait qu'il y a un problème. Ils ont mis un temps fou à reconnaître qu'au niveau climatique, qu il y avait des cycles solaires. C'est quand même eux la dernière fois qu'ils nous ont parlé de ces conférences du Rotary Club dans lesquelles on parlait des cycles solaires et d'une certaine version de la fin du monde, hein, avec l'eau qui s'engouffre dans les, les tréfonds de la croûte terrestre provoquant des explosions, ce qui est à remettre en cause quelque part, mais pas complètement non plus. Euh, donc voilà, j'ai l'impression qu'ils essaient de se servir d'arguments de plus en plus solides, tout en, tout en ne changeant rien à leur intention première, qui est de se faire réélire. Comme d'habitude. Alors, euh, n'oubliez pas qu'on peut tout prendre ça par-dessus la jambe aussi, parce que globalement, globalement, c'est comme ça que c'est le plus agréable de vivre. En tout cas. Salut. Ouais, je suis parti sur une discussion qui pourrait durer pendant trois semaines. <laughs> Donc, excusez-moi. Je suis un peu abrupt.